présentation d'un programme interactif en Flash où il est question de distance d'un point à une droite. Première page, une figure. En cliquant sur ce bouton, on a différentes figures proposées au hasard de l'ordinateur. On va arrêter là. Page suivante. Un point M de l'hypoténuse du triangle rectangle ABC, rectangle en A. Un point M qu'on peut faire varier également au hasard de l'ordinateur. On va arrêter là. Page suivante. Où placer M pour que la longueur IJ soit la plus petite possible. Alors avec les flèches du clavier, on déplace M et on regarde la distance, la longueur IJ calculée par l'ordinateur. On diminue actuellement 18,40 et augmente. Alors diminue. Elle semble passer par un minimum pour 18,41 ou 42. Valider. Accepter. Dans toutes ces figures, il semble que M soit le... Eh bien, on a introduit le vocabulaire qu'on va utiliser, le projeter. Orthogonal. De A sur la droite BC. Accepter. M a été placé pour que la longueur IJ soit le plus petite possible. Alors on peut voir d'autres figures où IJ est minimum. Est-ce vrai? Pourquoi? Alors une démonstration est proposée. Les données sont précisées. Un triangle ABC rectangle en A, un point M de segment AB, le projeté orthogonal I de M sur AC, le projeté orthogonal J de M sur AB. Alors projeté orthogonal, un vocabulaire qu'on peut retenir, ça signifie que projeter A sur BC, c'est mener la perpendiculaire par A à BC et considérer le pied de cette perpendiculaire. Alors la conclusion, ce que l'on veut démontrer, la longueur IJ est minimum quand M est le projeté orthogonal de A sur BC. Début de la démonstration. Le quadrilatère AJMI. A, trois angles droits, d'après les données. Donc c'est un rectangle, on écrit rectangle. Alors résultat de cours, chaque affirmation dans une démonstration est justifiée ici par un résultat de cours. On a appris à l'école primaire par exemple qu'un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits, puis on a ensuite montré que cette définition est trop luxueuse puisqu'il suffit de dire trois angles droits, le quatrième l'est nécessairement. On en déduit que IJ égale AM, justifié par un résultat de cours encore, les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Page suivante, suite de la démonstration. IJ est donc minimum quand AM l'est. Alors, on s'intéresse à cette longueur AM. Qu'on considère le projeté orthogonal H ici de A sur BC. Quand M est différent de H, comme c'est le cas dans cette figure,
Le triangle AMH est rectangle en H et la longueur de son hypoténuse qui est AM est plus grande que la longueur du côté de l'angle 3 AH. On dit quelquefois dans le langage courant que l'oblique est plus longue que la perpendiculaire. Alors, le minimum est donc obtenu quand M est égal à H, quand M est en H. Et c'est cette longueur qu'on appelle la distance du point A à la droite BC. Alors, ce programme est utilisable en Flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.